Il est temps, je crois, qu'on fasse un petit face caméra ensemble. Sur un sujet qui me tient à cœur, on est lundi maintenant, à l'heure où je fais cette vidéo. Et c'est un sujet qui, durant toute la journée, m'a trotté dans la tête. Je me suis dit, il faut que je trouve le temps en fin de journée pour en parler. Ce sujet, c'est le lundi. C'est la bête noire de plein de personnes. C'est un jour qu'on déteste quasiment toutes et tous. C'est vraiment le jour de merde, clairement. On a fini le week-end. Le week-end, c'était magique, c'était super cool. Des bons souvenirs, de la bonne bouffe, la famille, les amis, le temps libre. Et d'un coup, le lundi, bam, ça arrive en pleine gueule. Faut recommencer, on repart au fourneau, on repart au travail. Pendant 5 jours, faut tenir le coup pendant 5 jours. Et le vendredi de nouveau, comme une sorte de fleur qui s'ouvre. D'un coup, on est de nouveau super heureux à se dire le week-end est là, c'est bon, enfin je peux de nouveau respirer. Et c'est comme ça que je pensais à l'époque. Quand j'étais à l'école, quand j'étais pas heureux, quand j'avais un taf de merde aussi à l'époque, dans une assurance, j'étais pas du tout heureux dans ce que je faisais. Et vraiment, c'était clairement ça. Je vivais pour les week-ends. La semaine, pour moi, c'était juste, il fallait tirer un trait dessus. Et c'était vraiment que le week-end, quand je partais en week-end, quand je partais en vacances aussi, où là, je kiffais, là, j'étais vraiment heureux. Et dès que je revenais, c'était super dur. Et à l'époque, pour tout vous dire, quand je partais en vacances, à chaque fois, j'avais le syndrome où quand je rentrais en Suisse, quand je rentrais à la maison, j'étais vraiment presque dépressif. Ou pendant, je sais pas, une semaine, deux semaines, j'avais de la peine à me remettre dans le bain, en fait, de la vie que j'avais ici. Et à chaque fois, je rêvais clairement de pouvoir juste retourner là-bas. Me dire, je veux repartir. Je veux repartir, être libre. Je veux repartir, profiter à fond de la vie. Et j'avais clairement l'impression, en fait, ici, d'être, je sais pas, pieds et mains liés, menottés. Et en fait, je vivais que pour les week-ends et les vacances. Mais à un instant, je me suis dit, je peux juste pas continuer. Si maintenant, je continue à vivre pour les week-ends, bah, j'accepte de sacrifier, de tirer un trait sur 5 jours de ma life par semaine, donc 5 jours sur 7, juste pour vivre le week-end heureux. Et il y a une chose qui est sûre, pour réussir à accomplir ses ambitions ou ses rêves, il n'y a juste pas le choix, on ne peut pas tirer un trait sur 5 jours de la semaine, c'est impossible, il faut qu'on puisse réussir à kiffer toute la semaine, mais surtout du lundi au vendredi. Et en fait, il fallait vraiment que je change mon mindset. Et juste ce matin, par exemple, j'étais en call avec un de mes clients, et on commence le call, je dis « Ciao, comment ça va ?» Et il me répond en me disant « Bah, comme un lundi matin ?» Et c'est une phrase que j'entends plein de fois, qu'à l'époque je disais moi aussi, mais c'est une phrase qui tue l'ambition, c'est une phrase qui tue le kiff, qui tue le plaisir, qui tue la hargne, qui tue en fait l'envie d'accomplir. Donc moi c'est une phrase, j'ai pas droit de la dire, c'est une phrase qui est bannie, vraiment je l'ai enlevée de mon esprit. Et c'est une fois je me surprends à la dire, mais je me fous une monstre claque dans ma gueule, je me pose tout le temps qu'il faut et je me dis « Mec, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un truc qui s'est passé. Pourquoi tu as eu besoin de sortir cette phrase ou même de la penser ?» Mais à l'époque, cette phrase, elle était normale pour moi. À l'époque, cette phrase, je la sortais vraiment tous les dimanches soirs. Et le dimanche soir, je vous jure, c'était un jour où vraiment je l'appréhendais. Le dimanche soir, j'avais la boule au ventre à me dire « Demain, je repartirai dans ma classe, à l'uni, j'irai de nouveau me poser sur un banc, dans une vie qui ne me convient pas, je ne serai pas heureux. » Et vraiment, j'avais la boule au ventre tous les dimanches soirs. Et c'était juste, mais super, vraiment, c'était stressant, ça me créait de l'angoisse presque. Et lundi matin, mais je partais à l'abattoir. Je partais vraiment à l'abattoir. Et dans ma tête, j'avais une semaine de merde devant moi. Et forcément que si le mindset était configuré à me dire « t'aurais une semaine de merde » et « attends juste le week-end, vendredi 5h pour dire c'est bon, t'es en week-end », bah forcément que la semaine allait être de la merde. C'est juste logique. Ce qui se passe là-dedans se passe dans la vraie vie. Et quand j'ai commencé à entreprendre, j'avais ce réflexe de me dire chaque fois le dimanche soir « putain, demain c'est lundi » et le vendredi, « enfin le week-end ». Et je me suis vraiment interdit de penser ou de dire ces phrases-là. C'est impossible. Si maintenant on veut réussir à accomplir de belles choses dans la vie, bah, il faut qu'on prenne sa vie en main, il faut qu'on prenne le taureau par les cornes à se dire « maintenant, je vais mener des changements nécessaires pour réussir à accomplir ce que je veux accomplir ». Et le premier changement que j'ai dû faire, c'est de changer mon mindset. Maintenant, c'est pas que je vis pour la semaine, mais c'est que j'essaye de voir les choses différemment. Je me dis « maintenant, on est lundi, j'ai 5 jours chrono pour accomplir le max de choses possibles. Le week-end, pour moi, c'est recharger à fond les batteries. Et si on veut réussir à accomplir nos ambitions, il faut clairement réussir à se dire que la semaine, c'est pas un truc chiant, c'est pas un truc qui est ennuyant, c'est pas un truc qui est stressant, c'est un truc qui est magique. C'est là, on a 5 jours. 5 jours, c'est rien quand j'y pense. Et maintenant, aujourd'hui, je pars en vacances tout bientôt. Donc oui, je me réjouis de partir pour vider la pression, penser à autre chose, voyager, passer un peu de temps avec ma chérie et sa famille. J'ai hâte de faire ça, clairement. Mais je sais que la veille de rentrée des vacances, je vais pas me dire c'était cool, ça va me manquer, je resterai bien ici. Je sais que je vais réussir à me réjouir, à me dire maintenant mec, t'as pris un stock d'énergie mais de fou. Maintenant il faut que tu puisses, mais faut que tu lâches t'énergie, faut que tu y ailles quoi, faut que tu bosses, faut que tu puisses délivrer un max de valeur, faut que tu puisses puiser à fond dans tes ressources pour accomplir plein de choses. Et du coup maintenant vraiment à chaque fois quand je pars en vacances, je me réjouis à fond de partir, mais je me réjouis autant de rentrer
pour bosser. Et c'est une condition qui est juste inévitable. Vous ne pouvez pas rêver accomplir de grandes choses. C'est pour vous, le week-end, c'est là où vous êtes heureux et la semaine, vous n'êtes pas heureux. Maintenant, c'est clair, on a tous un contexte différent, on a tous une vie différente. Il y en a qui font des jobs qu'ils n'ont pas le choix de faire parce qu'ils doivent réussir à payer les factures à la fin du mois. Il y a des personnes qui ont des enfants, des personnes qui ont des obligations, des personnes qui ont des contraintes. C'est clair, on a tous une vie différente. Mais s'il y a un truc qui est sûr, une putain de chose qui est sûre, c'est que si la vie qu'on a maintenant, elle ne nous rend pas heureuse, si maintenant, le lundi matin, on n'est pas heureux à commencer un truc, il y a un changement à faire. Il y a clairement un changement à faire. Et je sais que c'est toujours très facile de le dire. Je sais que c'est facile de dire à une personne, mec, mais fais tout pour être content la semaine, fais tout pour te rendre heureux la semaine. Je sais que c'est bateau comme phrase. Mais si on n'est pas heureux sur la semaine qu'on a, il y a un truc qui joue pas. Et tout se trouve entre nos mains pour faire ce changement. Il faut juste réussir à se dire, qu'est-ce qui pourrait maintenant me rendre heureux? Ça veut pas dire se lancer, entreprendre, ça veut pas dire créer une boîte, ça veut pas dire se mettre à son compte, c'est pas ça. Ça veut dire de trouver un projet qui fait sens, de trouver des activités, de trouver une passion qui va en fait la semaine nous faire vibrer. Et pour moi maintenant, le lundi matin, c'est l'instant le plus important toute ma semaine. Si je le commence mal, avec un mindset négatif à me dire « fais chier, encore 5 jours de semaine », et je sais que ma semaine va être juste mais horrible, ça va être dégueulasse, je vais rien réussir à faire, je serai pas motivé, je serai pas inspiré, j'aurai pas de plaisir à faire ce que je fais, mais je sais que la valeur que j'apporterai, elle sera à zéro. Et dans l'avancée de mes ambitions, je serai à zéro. Du coup, lundi matin, je dois tout faire pour paramétrer mon esprit, pour me dire, t'as une semaine de fou devant toi. Et tout part par là. Donc si maintenant vous checkez cette vidéo, et que pour vous, le lundi, c'est votre bête noire, c'est un jour de merde, et que le dimanche soir, vous avez la boule au ventre à vous dire, demain c'est reparti, changez. Menez les changements qu'il y a à faire. Et vous devez le faire, c'est ultra important. Sans ces changements, vous ne pourrez pas réussir à avoir le bon mindset pour accomplir de grandes choses. C'est juste impossible. Voilà pour cet épisode, j'espère que vous avez kiffé. J'avais ça en tête, il fallait vraiment que j'en parle. Si vous avez kiffé, lâchez un petit like, c'est pas grand chose, mais ça me balance un max de force en pleine gueule. Si vous avez kiffé la vidéo, qu'elle vous a impacté, qu'elle vous a inspiré, dites-le moi en commentaire. Et surtout, dites-moi en commentaire si vous êtes team lundi ou bien team week-end, qu'on puisse voir un petit peu les opinions de chacun. On se retrouve du coup mercredi soir pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas un truc, souriez à fond, ça fait une immense différence. Et bordel, kiffez vos lundis. Ciao à tous.